Bonjour Monsieur Nicard, dites-nous ce qu'est les Sept Caraïbas. Les Sept Caraïbas est né de la volonté de quelques travailleurs sociaux qui, il y a 30 ans de cela, ont voulu créer une structure tournée vers la prise en charge d'adultes en difficulté. C'est un établissement de mise au travail de personnes, comme je disais tout à l'heure, donc des personnes qui ont une capacité de travail réduite. C'est aussi un établissement médico-social, dans ce sens qu'il dispense à ces personnes les soutiens qui leur sont nécessaires pour atteindre les objectifs d'épanouissement professionnel et social qu'on a définis pour eux. Vous parlez de mise au travail, mais dans quel domaine précisément? Les Sept Caraïbas intervient dans le domaine du bois. On fait de la menuiserie d'agencement, la menuiserie d'extérieur, qui fait des volets, des portes, des fenêtres, de la charpente, des escaliers, des kiosques, de la petite charpente. On fait également de la couture, la confection de vêtements, costumes, des uniformes. Et puis on intervient aussi au domicile pour des prestations d'espace vert et également où on peut réaliser des prestations à la demande en fonction des situations et à la demande des clients. Précisons que pour la réalisation des prestations de services au domicile, les particuliers qui font appel à l'ESAT bénéficient de réductions d'impôts, disons, substantielles. Et comment qualifieriez-vous vos relations avec les clients ? Ce sont des relations tout à fait normales, mais elles sont surtout axées sur le respect qu'on leur doit. Et ce respect se manifeste au travers du travail qu'on leur fournit et dans le respect de l'engagement que l'on prend vis-à-vis d'eux.